matin à toutes et tous. On se retrouve pour le message de ce mardi 20 février 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai pigé le doute. Alors, le doute. Pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être dans des doutes, dans des peurs qui sont réellement présentes. Hein. Et ces doutes sont souvent des résistances inconscientes, peut-être qui vous empêchent de vous réaliser pleinement. Peut-être que certains d'entre vous, eh bien, vous ne vous autorisez pas à agir. Vous ne vous autorisez pas à vivre, à être ce que vous souhaitez. Peut-être parce que, qu'à une certaine époque, ben, il fallait agir autrement pour votre survie. Mais ces peurs, ces craintes n'ont plus lieu d'être maintenant. On a l'impression que vous êtes collé à cela, à votre passé. Identifiez ce qui vous fait peur et prenez-en conscience. Peut-être que ce que vous avez vécu, vous n'arrivez pas à faire ce lâcher prise et vous êtes continuellement dans des doutes. Le fait de prendre conscience, n'est-ce pas, de ce qui fait peur et de poser des mots sur cette peur, eh bien, quelquefois, ça suffit à la réduire ou à la dissoudre. Vous savez, c'est souvent l'idée que l'on se fait des choses qui fait peur et pas les choses elle-même. Les doutes, les craintes, les peurs sont une étape qui mène à plus de clarté. Une fois que l'on sait ce que l'on veut et ce qu'on ne veut plus dans sa propre vie, on peut alors définir ce que l'on désire. Et se concentrer, eh bien, dessus, dans la joie, en ayant la, eh bien, la certitude que ce que l'on a demandé est déjà là. Eh bien, moi je vous invite à vous décider aujourd'hui de chasser tous vos doutes et de vous faire confiance. Voyez, hier, j'ai pigé le changement. Eh bien, peut-être qu'à cause de ces doutes, vous ne savez pas activer ce changement. Peut-être que, avec ces doutes, vous avez peur d'agrandir votre cercle, de sortir de votre zone de confort, à cause de ces doutes, de ces peurs. Vous avez des craintes, vous avez peut-être des hésitations sur certaines choses, peut-être des résistances, peut-être des croyances erronées aussi, n'est-ce pas? Il y a des barrières, ça vous fait douter, de l'insécurité, ça vous fait douter, des difficultés qui vous font douter, et peut-être la confiance en vous qui vous fait douter. Quelques affirmations positives pour aujourd'hui. Encore une fois, on est dans les croyances peut-être limitantes pour certains d'entre vous. Hein. Il faut abandonner ces croyances limitantes qui ne sont pas bonnes pour vous. Et pourquoi ne pas décider de croire maintenant qu'en ce qui vous fait du bien? Vous libérez de vos peurs qui proviennent peut-être de votre enfance, de votre jeunesse,
Aujourd'hui, vous allez dire, je suis en sécurité maintenant, je ne laisse aucune place au doute et j'ai confiance. Je me libère complètement de mes peurs et de mes doutes. Et j'ai toutes les capacités pour vivre une vie sereine, joyeuse, une vie que je désire plus que tout. Vous êtes capable. Et aujourd'hui, pour terminer, ma vie est facile, légère et joyeuse maintenant. Ça, c'est les pensées positives, les affirmations positives, n'est-ce pas ? Encore une fois, n'est-ce pas, ça parlera à certains, ça parlera pas à d'autres, mais dites-vous bien qu'il n'y a pas de hasard. Si j'ai pigé le changement hier et le doute aujourd'hui, il y a un changement à faire, mais peut-être que ce sont vos doutes, vos peurs, vos craintes, votre insécurité. Vous n'arrivez pas à faire le pas. Donc, il y a peut-être un travail à faire là-dessus pour certains d'entre vous et vous vous sentirez certainement libéré lorsque vous aurez pris la décision de faire ce changement et de croire en vous, avoir la foi en vous. Ça, c'est le plus important. Je termine avec le message des fées. La fée de la rose. Laisse de côté tes pensées rationnelles et permets à ton cœur de te guider. Et bien sûr, cette belle parole, je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain. Et d'ici là, portez-vous bien et moi je vous embrasse. À demain.